some good, some food in you. Step 3. Oui, donc en direct du parc de Bercy, avant un bel événement. Le temps est sympa, nuageux dans l'ensemble, mais on reste sur une température assez cordiale. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Bien, s'il vous plaît, vous souhaitez déjà la bienvenue à Bercy. C'est votre aventure. Moi, je suis fier de vous accompagner dans cette aventure. J'aime mon équipe. J'aime mon équipe pour le jeu qu'elle produit. J'aime mon équipe pour les émotions qu'elle procure. J'aime mon équipe pour le partage. Là, tous ensemble. Mais les gars, hey, faut pas se tromper d'objectif. Dans 10 ans, quand on se reverra là, y'a qu'une chose qui reste, hein, c'est le trophée. Et un match. 40 minutes de ce trophée. Qu'on soit prêt au combat. Qu'on donne tout pour ne rien regretter. Qu'on reste dans notre bulle, tous ensemble. Le reste, on sait faire. On l'a montré. Et on va le faire. On va écrire l'histoire. Pour eux là-bas. Pour nous. Et aussi pour mettre des étoiles dans les yeux de toutes les personnes que vous allez voir maintenant. Nous avons réalisé quelque chose que jamais un club amateur a réalisé à Bercy, c'est-à-dire de venir à 1350 personnes. Rien que pour ça, merci à tous. Allez, c'est parti pour cette grande finale à l'Accor Arena entre donc Beaujolais et Fougères. Le Beaujolais basket face au pays de Fougères, les Bretons. Il y a du cercle, mais c'est récupéré rapidement à la baguette. Il y a Kevin Bichard et de nouveau Belkessa. Oh là, Belkessa, il a fait chuter un adversaire. Il revient sur ses pas. Ça peut se finir sur une dernière action dans le trafic. Devant la marée bretonne et il montre déjà les biscottos. Devant son cop. Sur la passe rapide, ça joue la transition en triangle. Et ça ressort proprement pour Chopin. La patte gauche qui se lève. Il a ses habitudes à l'Accor Arena. Il connaît ça comme sa poche. Chopin, encore une fois, l'envie de mettre du rythme dans cette partie. Ils sont insolents d'adresse et de réussite. C'est une entame de rêve. C'est un cauchemar pour Beaujolais Basket. Remontée de balle. Menée par toujours Bichard. Bichard, le numéro 10 qui accélère. Ligne de fond, il est trop facile ce mouvement pour Bichard. Ouais. Paris qui met la pression. Voilà. Ah, il met une pression énorme. Ah, Beaujolais est bien, voilà. Rentrer enfin dans son match. On l'a pas tant d'eau, elle est distillée. Et ça rentre en plus. Oh, l'action. L'action régale. Ouais. Avec le magicien Chopin.
faut savoir que Beaujolais a eu un petit trou d'air en début d'année, mais c'est vraiment dû à la blessure à l'épaule de leur joueur. Oh là là, Belkessa, il fait vraiment le début parfait. Mathieu Simon, ballon perdu à l'initiative. Ouais. C'est le Chauvelin qui était dans l'interception, dans le jeu de relance. Il est toujours là, pour dégainer. Il va faire ça toute la soirée, Belkessa. Ouais. Ça va revenir dans les mains de Chauvelin. Il est partout. Il envoie quelques petites croquettes pour être servi de nouveau. Chauvelin time, déjà dans cette partie. Attention, Fougère se met en mode finale. Ouais. Chauvelin. Ah, le cardio, il est à 100, son cardio, il va chercher ça dans les airs, il est infatigable. 40 secondes, hein, pour essayer de bien conclure cette première mi-temps. Changement de défense. Oh, c'est fort. Oh, que c'est fort pour se retourner. C'est bien revenu sur Belkessa, 17 secondes pour créer du jeu. Oh là, Ndiaye qui prend sa chance de loin. Rebond énorme, ça c'est une belle idée. Est-ce que Fougère va débloquer, retrouver des sensations en attaque? Ça passera forcément par Max Chauvelin à 3 points, intouchable. Chauvelin, 15 unités. On se rapproche de la fin de ce troisième carton et du quatrième décisif. Proc dans le rendez-vous au corner. Oh, il attendait son heure. Fougère avec un mérite qu'à défendre Beaujolais Basket, mais non, ils vont prendre le tir assassin, le tir à 3 points de Bichard. Froc. Quand ça ressort pour Bichard, il attend les tirs difficiles. Il adore ça. Il s'en amuse. Le sourire aux lèvres. Ouais, le jeu de basket, la tête basse. Ils n'ont pas marqué dans le jeu toujours. Et là, c'est une passe à 10 qui se propose avec un Scott qui sait tout faire de près, de loin. Et il s'accroche encore là. Belkessa qui est plus rapide par contre sur ce dépose et tir. Oh là là. Pas tarder à rentrer déjà dans la dernière minute. Eh oui. Aïe. Encore en 3 points de Belkessa qui Belkessa, là. Belkessa, il est en train de finir. Il est en train de finir le taf. Ça commence à faire du bruit. L'Accor Arena va se transformer en boîte de nuit. Alors qu'en face, Corentin Lapalue est également rentré pour les dernières secondes. Voilà. 10 dernières secondes. 10 dernières secondes pour Fougère. Dans 3 secondes, c'est fait. Ça y est, la fête est totale. La fête est pleine à l'Accor Arena. Les Bretons, encore rois à Bercy. Fougère reste au pays des merveilles.